Mask Singer a fait son grand retour le 23 août dernier, avec sa 4e saison. Au casting des personnages figurent notamment l'ours polaire, Vita, Chantal Ladezou, Jeff Panaclock et Kef Adam ont donc pour mission, comme les téléspectateurs, de découvrir quelle star se cache derrière. Avant même qu'il ne fasse son entrée dans le jeu, le magazine Voici faisait part d'une indiscrétion, Kef Adams aurait été odieux avec l'ours polaire et un clash aurait même été évité entre eux. En outre, lors d'une bande-annonce, son rôle tout particulier était expliqué, l'ours polaire sera systématiquement en ballottage. Et ce sera aux enquêteurs, ainsi qu'au public, de décider de son sort. Mais pour intégrer la compétition, il devra éliminer deux personnages. Aucun d'entre eux ne veut laisser sa place. Apprenait-on encore? Alors de quelle personnalité parle-t-on? Voici les indices. Chanter en bande, ça lui a toujours plu et il aime être entouré, même s'il était solo la première fois qu'on l'a entendu sur scène. Un café ainsi qu'un croissant ont été dévoilés dans son premier magnéto et on l'a beaucoup vu à la télé. Il a plusieurs activités et il a déjà remporté des trophées. Il a chanté Love Me Tender d'Elvis Presley alors qu'il était en duel contre le Dalmatien et le Chevalier. Avant de chanter le dernier jour du disco de Juliette Armanet face au Pharaon.